Et salut vieux démon. Ouh. On t'a reconnu Gérard. Le con. Ta chemise est à l'envers abruti. Aujourd'hui j'ai un truc qui me fait sautiller la courge, alors comme d'habitude, faut que je t'en parle. Halloween. Tu connais? Halloween, c'est quoi? Ah non, toi tu la fermes, on veut pas t'entendre. Et vous pouvez pas me voir non plus. Gérard, ta gueule. Bon, Halloween. C'est une fête américaine. Non. Rentre chez toi, abruti. C'est une fête celte d'origine irlandaise. Ah ouais, quand même. Et ça remonte à quand, ce dub? Environ 3000 balais. Ah ouais, j'étais pas encore né. Mais moi si. Je sortais avec un avion de chasse à l'époque. Une meuf? Ouais, elle avait un nez crochu et un balai volant. Et qu'est-ce qu'elle envoyait au plus mort à l'époque? À cette époque, le calendrier se terminait par le 31 octobre. C'était la nuit de Samhain, un nouvel an particulier où le monde des esprits rencontrait celui des vivants. Les immigrés irlandais rapportèrent donc cette tradition aux États-Unis au fil des siècles. Ah bah voilà, je savais bien que c'était un Merloc. Je vais te donner d'autres petites infos historiques, mais avant, il faut qu'on parle un peu de cette fête. Moi, je trouve que c'est surtout un prétexte pour se foutre en l'air. Et attends, tu crois que j'ai fait un trou au niveau de la bouche, pourquoi? Pour respirer. Halloween, c'est des gens plus maquillés que ta femme au mariage de ta sœur. Eh oh! Et c'est quand même génial pour les satanistes. Oh, je te le fais pas dire, mon con. La blondasse peut sortir sans rien changer sur sa gueule, c'est génial. Tu fais tout pour être bonne et y'a jamais rien qui va. En gros, un mec qui fête Halloween, c'est un mec qui met du budget dans un super costume. Un mec créatif et doué de ses mains. Je coupe. Un mec investi dans le maquillage. Un mec innovant. Ah bah ça, je suis sûr que personne me piquera l'idée. Et surtout un sacré acteur. Ouh, je suis le fantôme. Change rien, débile. Bah du coup, c'est Samhain ou Halloween? Je pive rien. Les deux. Halloween est apparu au 9e siècle. Halloween vient de la phrase All Hallows Eve, que l'on peut traduire par la veille de Toussaint. Je suis une quille en espagnol. Et pourquoi tout le monde se travestit ce jour-là? Tu veux dire pourquoi tout le monde porte des déguisements de merde du style un costume de sorcière, un costume de citrouille, un costume de vampire, un costume de zombie, un costume de démon? Ah bah ils se sont pas foulés ceux-là. Comme je te l'ai dit plus haut, Halloween était à la base une fête pour célébrer le nouvel an. Ce jour-là, le monde des vivants croisait celui des morts. Des esprits pouvaient alors hanter les maisons des villageois. À la base, on se déguisait en monstre pour effrayer démons et fantômes. D'accord. Ah. Aujourd'hui, les enfants viennent frapper à ta porte pour demander des friandises. Juste évolution. Je viens de foutre de la morora dans les bonbecs. Ils vont pas revenir de suite, ces merdeux. Par contre, faudra m'expliquer les déguisements du style Spider-Man, Batman ou les lapinous salopes. Ah, le mieux, c'est de le faire soi-même, le déguisement, non? Non. D'accord. À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet qu'on transformait en lanterne pour effrayer les morts. Bah pourquoi c'est une citrouille maintenant? C'est plus facile à sculpter et ça pousse en octobre, ma gueule. C'est donc une période où on se farcit des courses dans tous les sens. De nos jours, les magasins sont aussi et surtout surdécorés. Ah, c'est le musée de l'horreur ici. Et il y a les araignées partout. On va faire les toiles d'araignées. Sale période si t'as peur des bestioles à 8 pattes. Il est où le fantôme? C'est bon, il n'y a plus d'araignées. Halloween, c'est aussi le jour des films d'horreur à la télé. Ah ouais, effectivement, même la boulangère se fait agresser aujourd'hui. Allez, c'est parti pour Massacre à la tondeuse à gazon. Je pense qu'on peut dire à présent que c'est plus une fête commerciale que traditionnelle. N'importe quoi. Quoi, 20 balles le kebab d'Halloween? Mais c'est quoi cette enculade? Bon, les bonbons, c'est pas une raison valable. Alors à vous, y'a autre chose? Oui. S'ouvrir le foie en deux déguisé. Respect, j'ai un pote, il fait pareil, mais sans alcool. Et toi, tu fêtes Halloween? N'hésite pas à me dire si t'as aimé la vidéo, l'espace commentaire est là pour ça. Ouh, je suis le fantôme, je suis le Gérard, fantôme. Gérard, arrête, tu fais pitié. Partage cette vidéo à tous les amateurs de chauves-souris, abonne-toi si t'es tout neuf, ça aide beaucoup la chaîne. Et laisse-moi évidemment un gros pouce, mais sans toile d'araignée, s'il te plaît. Prenez soin de vous, bisous, peace, love, flex, durec. C'est nul.